Salut à tous, c'est Adrien D. Alors aujourd'hui, vendredi 17 mars 2017, je vérifie mon micro, on va attaquer la partie 2 du tuto vidéo Perl. J'avais parlé il y a un petit moment déjà de la partie 1 du programmé en Perl. Alors on va essayer de retrouver ça. Hop. Donc voilà, je vous avais montré ça. Perl. Voilà, j'avais parlé de l'introduction à Perl partie 1, une longue vidéo avec un horodatage qui va bien. Et bien aujourd'hui, j'ai complété à l'instant le superbe article mémo pour scripter. Vous voyez, il est super long. Et donc, on va aborder la partie 2 en vidéo avec les exemples pratiques. Donc, je mets mon bloc-notes qui s'appelle Vivaldi sur l'autre écran. Voilà. Et on va lancer une console puisque, comme d'habitude, on va faire le tout en console. Alors, on avait parlé la dernière fois des variables, des opérateurs, des structures conditionnelles, opérateurs de comparaison, des tableaux. Et bien là, on va parler d'arguments au script. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va grossir un peu l'ensemble, histoire que vous voyez quelque chose. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Plus, plus, plus. Donc, je vais dans mon petit répertoire traditionnel. Et donc, on va reprendre le script voilà qui datait de la dernière fois, sauf que on va tout supprimer, voilà ce qu'il y a dedans. Et donc on va parler d'arguments. Donc les arguments ils se récupèrent avec la variable, enfin c'est dans un tableau hein, c'est stocké dans un tableau. Ce tableau s'appelle arg en majuscule argv tout simplement. Donc, si on passe des arguments à notre script, eh bien, on va parcourir pour lister tous les arguments. On va lister tous ces arguments dans un foreach. Voilà, donc foreach argv, hein, tout simplement. On va parcourir tout le tableau des arguments et on va print, donc on va afficher donc dollar underscore, la fameuse variable sans nom, et puis, on va mettre un 1 sous ligne, tout simplement. Voilà. Hop. Et donc là, ce script-là, il ne va ne faire qu'une chose, c'est lister les arguments qu'on a passés au script. Donc, si on appelle le script avec script 1, 2, 3, 4, 5, ça nous écrit 1, 2, 3, 4, 5. Arg1, Arg2, Toto, Titi. Voilà, ça va nous écrire Arg1, Arg2, Toto, Titi. Voilà. Donc, vous l'aurez compris. C'est un tableau qui s'utilise tout ce qu'il y a de plus classique. Oups. Donc forcément, si vous voulez réutiliser un argument bien particulier, le premier argument, et ben vous pouvez faire print $argv de par exemple de 1. Et donc là, ça va prendre le deuxième argument. Hein. Je rappelle, le tableau commence par 0. Donc là, si je fais ça va m'afficher arg2. Ah, j'ai oublié de sauter la ligne, mais voilà, vous avez compris le principe. Hop là, voilà. Saut de ligne. Donc là, ça me met arg2, le deuxième argument. Voilà. Donc après, on peut, si on a besoin, récupérer sous forme de variable. Donc dollar arg. Mince, attendez. Dollar arg2 égale ça. Voilà. Hop, donc le arg1, l'argument 1, ce sera argv de 0. Voilà. Et après, on peut écrire une petite phrase du style. Donc le premier argument est $arg1 et le deuxième et $arg2, tout simplement. On saute la ligne. Et voilà. Et donc maintenant, ça va nous écrire le premier argument est arg1 et le deuxième argument est arg2. Ou pas. J'ai fait une petite bêtise, non? Comment ça, j'ai fait une bêtise? Ce serait possible, hein. J'ai fait une petite bêtise. Ah bah oui. J'ai utilisé use strict et use warning. Donc effectivement, j'ai oublié le my. Excusez-moi. Voilà. C'est mieux quand même. Voilà. Le premier argument est arg1 et le deuxième est arg2.
Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais c'est pas très pratique, dans le sens où si on veut appeler un script avec des arguments style tiret quelque chose, ben, si on met le tiret 1, tiret A, par exemple, si on veut l'argument A, tiret A égale 3, ben, si on le met au début, à la fin, au milieu, on ne sait pas trop où il est là, avec argv. Donc on peut s'amuser à faire une fonction avec plein de tests dedans pour tester si ça contient tiret A et tout ça, mais c'est un petit peu compliqué. Donc il y a un argument assez basique qui permet de nous en sortir. Donc il faut appeler le script avec perl-s. Et en fait, ça va permettre de gérer un petit peu des options de manière un peu plus élaborée. Je vais rester dans ces deux exemples simples, je n'irai pas plus loin pour ce tuto, en tout cas dans la partie 2. Donc je vais virer tout ça. Voilà. Donc par exemple, si on veut récupérer un argument tiret A, eh bien cet argument, on va le déclarer, on va déclarer une variable du nom de l'argument, non pas avec my, mais avec hour. Donc hour-a. Et en fait, ça va être l'argument tiret a. Alors, on va afficher le $a pour vous montrer en fait un petit peu ce qui s'affiche en fonction des cas. Donc là, c'est pas très compliqué. Donc si j'appelle mon script là directement, donc tiret a n'existe pas. Donc il n'y a rien du tout. Si je mets tiret a tout seul, vous allez voir, ça renvoie 1. Donc, si la variable elle est définie, ça renvoie 1. Si elle n'est pas définie, ça renvoie une erreur. Donc après, il y a des moyens pour gérer les erreurs. Je vous montre ça. Si on met A égale Toto, ça va nous écrire Toto. Voilà. Et si on met un chiffre, A égale 42, par exemple, ça nous renvoie 42. Alors, il y a une toute petite limitation à cette utilisation des arguments, c'est très bien, parce que là, si on met A42, si on met Toto comme argument, là, on met A et puis Titi, alors là, il ne voit pas A. Pourquoi il ne voit pas A? Je ne sais pas pourquoi il ne voit pas A. Par exemple, bon. Ah ouais, parce qu'à mon avis, il y a un truc après. Non. Use une concatenation. Ligne 8. Alors attendez. Faut que je regarde vite fait ce qu'il y a à la ligne 8. Set number. Bon, je vois pas pourquoi ça me pose problème. C'est pas grave. Enfin, dans tous les cas, Hop. Ouais. Toto. Donc là, c'est écrit Titi. Bon, ça lui pose peut-être un petit problème que j'ai un argument à la con avant. Alors, je vais le faire autrement. Je vais le faire autrement. Je vais définir une autre variable. $B. Enfin, remarquez, c'est mieux quand même de définir les variables de la même façon. Alors, A vaut A et B vaut $B. Voilà. Ce sera plus simple. Ne pas mélanger les types d'arguments. D'ailleurs, c'est sans doute là que vient l'erreur. Tiret B égale Titi. Alors, je vais mettre Titi. Non, Toto. Vous voyez, si on met dans. Ici, on voit que A vaut Titi et B vaut Toto. Et si j'inverse mes arguments, B Toto tiret A égale Titi, et ben là, c'est. Vous voyez, A vaut toujours Titi et B Toto. Donc là, on peut les mettre dans les sens qu'on veut. Ça pose pas de problème. Par contre, effectivement, si on met un tiret A, ben tiret A tout seul, ça vaut 1, et tiret A égale 1, ben, ça vaut 1. Donc, c'est-à-dire que si on teste des valeurs qui sont saisies par les arguments, et qu'on a un argument sans valeur, ben, on ne sait pas si on a saisi 1 ou égale 1. Voilà, ça c'est la limitation. Donc, tout à l'heure, je disais, voilà, si on ne saisit pas une variable, par exemple la $A, on nous dit, oulala, attention. A n'est pas défini, on a une erreur. Donc il y a un petit moyen pour vérifier qu'une variable est initialisée. Donc je vais revenir là. Hop. C'est tout simplement. Alors là, j'ai pas ma note sous mes notes sous les yeux, donc je vais essayer de faire de tête. On fait avec la fonction defined $A.
Et là, on met print, par exemple, $A est contenu dans la variable A. Et de cette manière, si je fais ça, 1 est contenu dans la variable A. Bon, si je mets n'importe quoi, hein, ok, est contenu dans la variable 1. Si je mets rien, eh ben on n'a plus l'erreur, puisqu'on n'utilise pas A, puisqu'il est défini. Donc après, on peut mettre un avertissement du style else print la variable A n'est pas définie. De manière à pas se taper une erreur à la con dans notre script par la suite si une variable n'est pas définie. Voilà. Parce que ici, c'est bien une erreur, alors que ici, là, c'est une erreur. J'ai appelé ça A. Alors que là, c'est bien une fonction ou quelque chose qu'on appelle. Donc, on peut gérer le fait que $A n'est pas tout simplement défini. D'ailleurs, en parlant de fonctions, ça peut être intéressant de les utiliser, ces fameuses fonctions. Alors, je vais faire deux fonctions différentes. Parce qu'il y a fonction avec ou sans argument, enfin sans chose qu'on fait dedans. Vous allez tout de suite comprendre. Donc les fonctions, c'est sub quelque chose. Sub, le nom de la fonction. Donc là, je vais l'appeler affiche pour afficher du texte. Voilà. Et dans ma fonction, je vais faire tout simplement un print la fonction affiche. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on définit une fonction. Donc là, on définit, voilà, quand on va appeler la fonction affiche, ben, on va afficher la fonction affiche. Alors, je conseille de placer les fonctions en début de programme, tout simplement parce qu'on va les appeler, on appelle les fonctions après, donc c'est mieux de la déclarer avant de l'utiliser. Donc, là, on va écrire, par exemple, print, on va appeler la fonction. Oh, je ne sais plus écrire fonction. Bon, au pire, on s'en fout s'il y a des fautes. Le but, c'est d'apprendre. Et print, la fonction a été appelée. Et maintenant, comment on appelle notre fonction au milieu ? Et bien, tout simplement avec le symbole et commercial ou esperluette. Voilà, on l'appelle comme ça, la fonction. Esperluette et le nom de la fonction. Donc maintenant, si j'exécute mon script, voilà, on va appeler la fonction affiche, la fonction a été appelée. Tout simplement. Donc bien sûr, dans une fonction, là, c'est simple, on affiche du texte. Mais on peut faire plein de trucs dans une fonction. On peut, par exemple, passer un argument et faire quelque chose avec cet argument. Par exemple, on va faire une fonction sub, donc doublée, ou double, par exemple, qui aura pour but de doubler un nombre. Donc là, ici, on va tout simplement faire une variable, my, nb, qui va être définie juste au niveau de la fonction. Et on va récupérer le nombre qui a été passé en argument. Donc pour récupérer le nombre qui est passé en argument, ça va être $ underscore et le numéro de l'argument. Donc le premier argument, ce sera dans $ underscore 0. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est le tableau arrobas underscore, donc le tableau implicite, c'est le tableau des arguments, et on récupère la première valeur, donc 0. Ensuite, ce nombre, on va le multiplier par 2, donc $nb égale $nb fois 2. Voilà. Et on va retourner le nombre. Donc soit on peut afficher print blablabla. Je vais vous montrer print $nb. Voilà. Donc là, on va juste appeler la fonction double. Et donc là, vous allez voir, ça va faire la même chose qu'avec affiche, c'est-à-dire que enfin déjà, il faut lui passer un petit nombre, par exemple 21. Donc là, il va se passer quoi? On va appeler la fonction double avec comme paramètre 21. Donc ça va nous afficher 42 dans notre script. Voilà. On va appeler la fonction, ça nous affiche 42.
Mais si on veut utiliser ça après, ce nombre, pour le sortir d'ici, parce que là, le NB, il est défini qu'au niveau de la fonction, si on veut se garder sous le coude ça, et ben en fait, au lieu d'afficher, on va juste le retourner. On va retourner cette valeur avec return. Donc on retourne NB. Voilà. Et maintenant, notre nombre ici, donc je vais le déclarer my résultat. Ouais, je l'appelle pas pareil. Eh bien, on va lui dire que c'est. On voulait doubler notre nombre. Donc double de 21. Et donc là, ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que là, cette fonction-là, elle est définie, double, elle est juste au-dessus. Et on va l'appeler avec 21. Donc il va se passer quoi? Il va nous doubler 21, ça va donner 42, et on retourne le nombre. Donc là, on retourne le nombre qu'on va stocker dans résultat. Et donc, après, on peut dire print le résultat de la fonction est de $résultat. Et donc là, vous allez voir que ça va nous afficher notre 42. Donc ce qui fait qu'on peut restocker dans une variable dans notre programme le résultat d'une fonction. Et là, la fonction, elle n'affiche pas quelque chose, elle ne fait pas quelque chose, elle renvoie un autre du texte ou un nombre. Donc des mots, voilà. Ça marche pas très bien parce que je fais n'importe quoi. Bien sûr, il faut appeler la fonction interne avec l'esperluette. Et oui, ça, vous l'aviez deviné si vous aviez suivi correctement ce que j'ai dit. Donc, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Voilà. On va appeler le résultat de la fonction. Et le résultat de la fonction est 42. Voilà. Donc ça, c'est ce qui différencie une fonction qui est définie dans notre script ou d'une fonction propre à Perl. Donc là, on en a fini pour les petites bricoles que je vous ai montrées, donc les arguments et les fonctions. Maintenant, on va passer à la manipulation de fichiers. Ça va être sympa. La manipulation de fichiers, parce qu'en fait, Perl, c'est un langage de programmation magnifique, enfin, non, un langage magnifique. Et bah, on va se payer le luxe quand même. Hop, j'enlève ça. On va se payer le luxe quand même d'utiliser des fichiers. Ça peut être sympa de lire le contenu d'un fichier, écrire dedans ou faire des petits trucs comme ça. Donc, pour définir déjà un chemin d'un fichier dans une variable, on va utiliser une chaîne. Donc là, je vais faire my$fic. Donc ça, c'est, je l'appelle comme ça, hein. Et mon fichier, ça va être donc slash home, Adrien. TMP perl fic.txt, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est mon fichier, je définis mon fichier. Et donc pour ouvrir le fichier, de manière générale, on va utiliser la commande open. Et donc la commande open s'utilise comme ça, open handler mode expression. Donc, un petit peu d'explication. Un handler ici, comme je l'ai nommé ici, handler, si on le traduit littéralement, c'est un manieur, hein. C'est une variable un peu spéciale qui représente le fichier qu'on va manier. En gros, c'est l'objet qu'on va utiliser. Le mode ici, c'est tout simplement l'usage qu'on va en faire. Lecture, écriture, etc. Et l'expression, eh bien, c'est l'expression. C'est la chaîne qui contient le nom du fichier. Donc moi je l'ai utilisé et je l'ai déclaré proprement dans une variable avant. Donc ici tout simplement mon fichier ce sera $fic. Le mode, il y a plusieurs modes différents. Donc pour en fait le mode c'est entre guillemets. Donc par exemple ici si je fais ça va ouvrir le fichier en lecture seule. Donc ça ouvre le fichier en lecture tout simplement. On va pouvoir lire, mais on va pas pouvoir écrire dedans ni rien faire. Ça, ce chevron dans l'autre sens, ça va être ouvrir un fichier en écriture. Et ça écrase tout ce qu'il y a dedans si ça n'est si s'il y a déjà des choses dedans. Et le double chevron,
c'est ça va l'ouvrir en écriture et ça écrit à la fin du fichier. Dans tous les cas, si le fichier il n'existe pas, il va être créé pour l'écriture. Vous pouvez penser exactement, c'est comme en Bash, quand vous appelez des commandes. Ici, en fait, vous injectez, vous lisez un fichier que vous injectez dans une commande. Ici, vous redirigez le contenu d'une commande dans un fichier. Et ici, vous redirigez dans le fichier en écrivant à la suite. Et bien, c'est comme Bash. C'est exactement les mêmes symboles. Donc ça, c'est assez pratique. Donc, je vais fermer mon script. Et puis, on a déjà illustré le fichier en lecture. Donc, je vais ouvrir mon fichier. Je ne sais plus comment j'ai appelé. Fig.txt. Et dedans, je vais écrire « Bonjour, voici le fichier. Merci, fin du fichier. » Maintenant, il va falloir qu'on lise ce fichier dans notre script. Donc là, déjà, on l'ouvre, le fichier. Donc on va l'ouvrir en lecture. Maintenant, une fois qu'on l'a ouvert en lecture, il va falloir le fermer, ce fichier, à la fin de notre traitement. Donc si on a ouvert avec open, on ferme avec close. Et on rappelle notre handler. Alors on peut l'appeler comme on veut, hein, le handler. Et maintenant, eh ben, qu'on a ouvert notre fichier, eh ben, on va le parcourir, notre fichier. Et en fait, c'est là la magie, c'est que notre fichier il est ouvert dans ce handler. Donc, on va faire un while, donc tant qu'on est dans le fichier. Et donc, ce fichier, on l'appelle avec handler, comme ça. Hop, entre chevrons. Donc, tant qu'on est dans notre fichier, voilà, donc j'ouvre la parenthèse, je la ferme. Tant qu'on est dedans, eh ben on va faire quoi? On va l'afficher. Mais vous allez voir que là, il va se passer des trucs un peu bizarres. Donc on l'affiche. On rappelle la variable $_, qui est la variable implicite. Voilà. Donc toc, 2.w. Et donc si j'exécute ça, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être pas terrible. Normalement. Voilà. Bonjour, voici le fichier, merci, fin du fichier. Vous voyez, il y a des espaces entre chaque mot. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a un saut de ligne. Il y a un saut de ligne à chaque fois. Donc là, il y a une commande magique. Je ne sais pas si je l'avais dite la dernière fois, mais c'est chomp qui permet de supprimer le saut de ligne. Parce que là, du coup, on a le saut de ligne de ce que j'écris, et on a le saut de ligne du fichier. Vous voyez, on a deux sauts de ligne. Donc, globalement, si après, ce qu'il y a dans une ligne du fichier, vous voulez la stocker dans une variable, vous allez avoir le saut de ligne du fichier. Donc, pour l'enlever, vous faites chomp. Voilà. Donc, soit chomp $_, soit si on met rien, c'est implicite. Donc ici, en mettant en chomp, on supprime le saut de ligne et on affiche notre fichier. Démonstration. Voilà. Donc notamment si dans notre fichier on met des chiffres, par exemple une suite de chiffres aléatoires et qu'on veut traiter les chiffres, bah, si on veut traiter après dans une variable, on va avoir le chiffre saut de ligne. Donc chomp permet de supprimer le saut de ligne. Voilà. Donc si on veut écrire dans le fichier, donc là hop, je supprime. Donc si on veut écrire dans le fichier, cette fois-ci on met ça. Donc là ça va tout effacer ce que je mets dans le fichier. On va écrire bonjour, par exemple. Eh ben print, donc on va écrire bonjour, print bonjour, voilà, ça c'est ce qu'on veut écrire, mais maintenant comment lui dire qu'on veut l'écrire dans le fichier? Donc déjà on va se mettre un saut de ligne à la fin de notre fichier, et maintenant il faut lui dire on veut écrire dans le fichier, et bien on met print handler bonjour. Donc maintenant, ça. J'écris dans le handler bonjour, donc je vous montre, cat fic.txt, j'ai bonjour, voici le fichier, merci, fin du fichier. J'exécute mon script, il ne se passe rien, c'est normal, à l'écran, mais il a écrit dans mon fichier bonjour. Si j'écris par exemple bonjour, je copie la ligne, ça va. Voilà.
À votre avis, il va faire quoi? Il va écrire bonjour, ça va dans le fichier, ou vu qu'on a ouvert en lecture, en écriture, écrase tout, il va écrire bonjour, comment ça va, et il va fermer. Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est que là, en fait, il ouvre le fichier en lecture, en écriture. Tout ce qui va se passer, ça va s'ajouter à la suite. Donc là, je vous montre mon fichier. Je l'ouvre en écriture, j'écrase tout. J'écris bonjour, ça va. Donc il va m'écrire bonjour, ça va dans le fichier. C'est-à-dire qu'en fait, il efface tout, il écrase tout ce qu'il y a dans le fichier au moment où il y a l'instruction open. Là, il écrase tout. Ensuite, il incrémente à chaque fois dans le fichier et il ferme. Maintenant, si j'ouvre mon fichier comme ça, donc je vais mettre d'autres phrases. Ouais. Et toi? Nickel. Et bien là, il va ouvrir mon fichier fig.txt. Il va ajouter à la suite. Ouais, toi, nickel. Donc on aura dans notre fichier bonjour, ça va. Ouais, toi, nickel. Ça. Donc là, mon fichier a bonjour, ça va. J'exécute mon script, il va rajouter à la suite, donc bonjour ça va existant, le oui et toi, nickel. Voilà. Bon, maintenant, vous savez comment manipuler des fichiers, tout simplement. Alors, ça c'était pas très compliqué. Je regarde où est-ce qu'on en est à l'enregistrement pour essayer de pas faire une vidéo trop longue, sinon je coupe. Non, on va faire. Pas grave, on fera tout dans la même. Donc ça, c'est les fichiers. Maintenant que les fichiers sont faits, on supprime tout ça, on n'a plus besoin. On a vu ce qu'on avait à voir. J'ai oublié un truc dans le premier, tuto, enfin dans la première introduction vidéo. C'est la possibilité de matcher. Par exemple, vous avez une variable, my var égale toto. Super la variable. Vous voulez tester si cette variable commence par un T. Eh bien, donc il faut déjà comprendre les expressions régulières, dont j'en ferai peut-être aussi un article sur mon site, ce serait pas mal. Donc var, on veut savoir si ça commence par un T, donc je laisse des blancs, hop, et je mets un petit texte, print, la variable $var commence par T. Donc maintenant, comment on vérifie? Donc, dans une expression régulière, commence par c'est le chapeau, finit par c'est le dollar. Donc ici, on veut que ça commence par T. Donc, commence. Maintenant, il faut vérifier que ça match. Donc que ça correspond. Donc notre expression régulière, on la met entre slash. Et maintenant, il va falloir trouver un opérateur ici. Et l'opérateur, ça va être égal tilde. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si la variable commence par correspond, on va dire, ça match, hein, correspond avec l'expression régulière, ça commence par T, alors on affiche la variable var commence par T. Démonstration.slash script. La variable toto commence par T. Je mets autre chose. Yoto, il se passe rien. Tout simplement. Alors, je suis en train de regarder un truc. Je vais regarder un truc si je l'ai mis dans mon. Dans mon tuto. Parce que ce genre de truc, on peut le faire de manière un peu plus simple. Alors, je ne l'ai pas écrit dans mon article. Et bien, si je ne l'ai pas écrit, il faudra que je le mette. À moins que je l'ai rajouté là dans le if, je ne sais plus. Ouais, alors j'avais parlé du if en one-liner,
qui disait, pour tester du coup le coût de la variable là, var, ça, on peut écrire comme ça, deux points, alors instruction si vrai, hop. Je vais le rajouter dans ce truc là, voilà, on met ça. Et on pouvait mettre ça, et ça marche. Alors, je vais remettre ma variable Toto. Voilà. Donc, on exécute nos scripts. Ah, bah non, ça marche pas, parce que, à mon avis, ça, c'est le if, machin. Instruction s'il faut. Je pense qu'il faut un. Je pense qu'il faut un. Alors, pour que ça marche, non plus. Ah, j'ai écrit un truc que je ne sais même plus utiliser. C'est assez intéressant. Donc si... Ah non, c'est condition comme ça. Tout simplement. C'est bien, j'écris des trucs, mais je les lis même pas. Donc on a la condition comme ça, ça doit marcher. Et je pense non plus. Mais d'ailleurs, j'ai écrit ça, mais en fait, je l'utilise jamais. Mais voilà, il faut obligatoirement la condition si faux. Donc si vous voulez juste la condition si vrai, vous inversez tout. Print. Mettez comme ça. J'utilise plutôt ce truc-là. Print machin. If. Ça. Voilà. Et dans ce sens-là, ça marche bien. Oups, j'ai fait une petite bêtise. Et donc là, si vous mettez print blablabla, if, et vous mettez votre condition. Et dans ce sens-là, ça marche. Voilà, donc j'utilise plutôt ça, moi, que ce que je vous ai montré. Parce que bien souvent, j'ai pas besoin de la condition avant. Enfin, j'ai pas besoin de la condition si c'est pas le cas. Voilà, alors par contre, bien sûr, je fais toujours des bêtises. Donc, voilà. Donc ça c'était le petit aparté que j'avais oublié de faire et il faudra bien sûr que je le garde sous le coude. Donc attendez, je vais le mettre ça, je vais le mettre là-haut, histoire que j'y pense pour le rajouter dans le tuto. Donc là ça fait 32 minutes que la vidéo est commencée. Alors est-ce que je me lance dans tout ce qui est SQL ou je le fais dans une prochaine vidéo? Je ferai une vidéo séparée pour le SQL. Je ferai une vidéo séparée pour le SQL, j'en ferai une prochaine. Donc, je vais vous montrer des astuces diverses pour terminer la vidéo et éviter qu'elle s'éternise. Donc, par exemple, si vous voulez connaître la longueur d'une chaîne, ici, Toto, et ben, la longueur, c'est tout simplement... Donc, vous pouvez récupérer ça dans une variable, myLong, égale length. Dollar var. Et après vous l'affichez, par exemple print la chaîne fait dollar long caractère. C'est la chaîne, voilà. Donc là, avec ça, on voit tout simplement la longueur de la chaîne. Donc là, ça va nous afficher la chaîne fait 4 caractères. Voilà. Donc ça peut être assez intéressant. On veut par exemple que notre variable var là, elle soit tiens, saisie au... Je vais rajouter ça, tiens. Dollar $var fait long caractère, voilà. Donc on veut saisir notre variable var, non pas directement, mais par exemple au clavier par l'utilisateur. Eh bien, on va afficher un petit message. Donc par exemple, print entrée quelque chose, si après... Donc là, on peut ne pas mettre de saut de ligne, comme ça, la variable, on va écrire après les deux points. Donc là, pour récupérer quelque chose, on va utiliser tout simplement ce caractère-là, voilà, pour récupérer dans la variable une saisie du clavier. Comme pour les fichiers, quand on va saisir, il va y avoir, on fait entrée, donc on balance un saut de ligne. Donc, on enlève le saut de ligne avec jump,
dollar var. Cette fois-ci, on précise le nom, parce qu'on en a besoin. On retire le souligne. Et après, ben voilà, on calcule la longueur de notre variable. Et on dit la chaîne var fait long caractère. Voilà, on réutilise notre script. Donc, j'exécute le script. Voilà. Alors, ça marche pas très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va peut-être... Oui, c'est bon, j'ai trouvé mon erreur. Hop. Il manquait le point virgule, comme d'hab. Donc, hop, voilà. Entrez quelque chose ici après. Par exemple, vive le perle. Voilà. Et la chaîne, vive le perle, fait 16 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Donc ça, c'est pour récupérer une saisie au clavier. Donc le test de la variable définie que j'avais écrit dedans, eh ben, on l'a. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Si on veut tester... si on veut tester sur quel OS on est, très pratique ça, parce que ça m'arrive, moi, au travail, d'utiliser Perl sous Windows. Et ouais. Donc, si on veut tester sur quel OS on est, parce qu'on a besoin, notamment, c'est surtout une question d'encodage. Parce que sous Linux, on est en UTF-8, et sous Windows, on est dans un truc bizarroïde. Donc, Pour tester, donc là, je vais supprimer tout ça. Voilà. Pour tester où est-ce qu'on est, donc on va définir une variable, par exemple OS. Et en fait, cette variable, c'est dollar chapeau grand O. Donc ça, on va récupérer sur quel type d'OS on est. Donc si on fait un print de $OS, pour vous montrer le truc. Hop. Et que j'exécute le script, on est sur Linux. D'accord. Si on est sur Windows, et bien sûr, j'ai plus de machine virtuelle Windows, tellement j'ai fait du bazar sur ma machine. Attendez, si j'ai un Windows encore sous la main, je vous fais la même. Ouais, alors, attendez, je m'en pose et je reviens dès que j'ai installé Perl sur le Windows. Là. Voilà, donc j'attendais juste que le Windows soit lancé. Donc j'en profite d'ailleurs pour vous montrer, pour ceux qui ne savent pas, que Perl, même si c'est très utilisé sous Linux, eh ben, c'est tout à fait possible de l'utiliser sous Windows. Et la version de Perl que j'utilise sous Windows, c'est Strawberry Perl. Voilà, donc Strawberry Perl, en fait, c'est une version de Perl disponible pour Windows. Donc ici, la version 5.24.1. Et, bon, vous faites suivant, installer, quitter, c'est pas très compliqué à installer. Mais voilà, Strawberry Perl, c'est Perl pour Windows, tout simplement. Donc là, on constate que le débit est pas terrible. Et donc, je vous montre comment, au passage, s'installe Perl sous Windows. Alors, hop, on va dans téléchargement. Voilà. Donc, pour installer Perl, pas très compliqué. Exécuter. Suivant. J'accepte. Alors, attendez, par contre, il va juste falloir, je suppose, Ah non, on peut l'installer sans être administrateur. Je sais pas où il s'installe. Hop, c'est Strawberry. Ouais, installe. Yes, si c'est bon. Donc là, Perl s'installe. Vous voyez, simple, rapide, efficace. Et donc, il va apparaître ici une console Perl disponible dans Windows.
Finalement, on a du bol parce que pour la vidéo, je n'avais pas supprimé ma vidéo, enfin ma machine virtuelle où j'avais présenté Windows 10. Donc ça tombe bien. Donc là, Perl. Non, c'est pas encore installé. Allez, allez. Donc, hop, pé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 p
un petit truc supplémentaire, use, qui est encode, un module encode, que vous appelez comme ceci, encode, donc encode, et vous appelez décode aussi, tant qu'à faire. Voilà. Et maintenant, si on est sous Windows, donc le message, on va l'imprimer dans les deux cas. Oh, ici. Oh non, mais on va faire mieux encore. On va l'afficher à la fin. Voilà, on affiche notre message ici. À la fin. Et donc, ici, bah, si on est sous Windows, on va transformer notre message. Donc, de là, ici, $message. Et on va l'encoder dans le bon type de caractère, donc en code. Ici, le caractère utilisé par Monsieur Windows sous Perl, ce sera CP437. Et donc, on encode le message. Donc après, vous pouvez vous faire une fonction dans votre script, genre print, qui contient ça. Et après, à chaque fois que vous appelez cette fonction-là, et ben, comme on a vu au début de la vidéo, vous encodez les chaînes de caractères dans le bon truc. Voilà. Et donc, bah, sous Linux, bah, soit vous encodez pas, voilà, soit vous forcez quand même l'encodage en UTF-8. Et donc là, ce qui se passe, c'est que si on est sous Windows, on encode dans le format qui va bien notre message. Si on est sous Linux, on encode en UTF-8. Et après, on affiche. Donc, je copie. Sous Linux. Ah ben non, il n'y a pas besoin d'encoder parce qu'on est déjà en UTF-8. C'est bien ce que je disais. Voilà. Salut à tous, comment ça va bien? Et sous Windows, hop. Donc, je remets ça. Hop, là, voilà. J'enregistre. Et donc là, on va avoir notre salut à tous, comment ça va bien? Normalement, dans le bon type de caractère, voilà. Salut à tous, comment ça va bien? Donc comme ça, le même script, il fonctionne sous Windows et sous Linux. Et on n'a pas de problème de caractère accentué. Voilà. Et enfin, pour terminer cette vidéo, la petite cerise sur le gâteau, on va générer un nombre aléatoire. Allez, on va essayer de générer un tirage du loto. Donc on va utiliser 5 variables, myNB, NB1, et donc pour générer un nombre aléatoire, donc ça va être la rand, la fonction rand. Là on lui donne l'échelle, donc les numéros du loto, ça va de 1 à 49, donc on lui met 49. Voilà, mais ça, ça va pas être terrible, puisque on peut avoir des print $NB1. Je vous montre ce que ça fait. Ça va nous générer un nombre entre 0, attention, entre 0 et 49. Mais vous voyez, on a un certain nombre de virgules. Donc, enfin, un certain nombre de chiffres après la virgule. Donc, vous lui forcez la main en lui disant « Oh coco, c'est un integer, hein, donc un entier. Voilà. » Et là, ça va nous générer un nombre entre 0 et 49. Oui, alors attendez, parce que là, il y a le... Hop. Il y a mon... Il y a mon numéro, là, qui fait... Qui... Voilà, donc là, on a 16, 6, 28, 39, 5, 32. Donc là, on est entre 0 et 49. Donc, si on veut aller de 1 à 49, eh ben, on met que 48... Et on lui dit plus 1 ici. Voilà. Donc là, cette fois-ci, bon, ça se voit pas, hein, mais on est entre 1 et 48. 1 et 49. Et après, eh bien, on se génère tout simplement 6 chiffres. Donc on le fait 6 fois. Hop, voilà. Par exemple, NB2, NB3, NB4, NB5, NB6. Alors, là, c'est moche, hein, mais... $NB2, $NB3, $NB...
4, $NB 5 et $NB 6. Après, vous l'aurez compris, vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous faire un tableau, chiffres, que vous mettez dans une... Vous faites un for, je vous laisserai pratiquer, tiens, si ça vous intéresse. Vous faites un for i qui va de 1 à 6. Et dedans, vous, avant, vous créez votre tableau, nombre, arrobase nombre. Et puis dedans, vous faites un push à chaque fois. Vous triez votre tableau. Et après, ça vous fait, sort une suite de chiffres du loto. Donc là, forcément, c'est pas dans l'ordre qui va bien. Mais justement, je vous laisserai pratiquer. Je vous laisserai pratiquer si ça vous intéresse pour revoir l'introduction 1 et l'introduction 2 avec le tableau et puis là la génération aléatoire de nombres. Donc comme d'habitude, la vidéo elle est finie, elle a duré assez longtemps. Je mettrai le redatage dans la vidéo et je vous remettrai le lien vers l'article qui va bien, donc qui est celui-ci. Et donc la prochaine fois, si vous voulez déjà regarder par curiosité la partie Perl et SQL, vous pouvez, mais je ferai une vidéo séparée dessus. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!